L'année 2021 va être marquée par un événement exceptionnel, comme d'autres, à savoir par la restauration d'un tableau de Zurbaran, exposé depuis 1889 dans l'église Saint-Médard, et qui s'intitule « La promenade de l'enfant Jésus ». Ce tableau, qui a été peint autour de 1635 pour le couvent de la Merci des Chaussées de Séville, a un double intérêt, outre sa beauté bien sûr plastique. Il est un des rares tableaux de l'école espagnole qui soit exposé dans les églises de Paris. Et puis, il est aussi un des rares tableaux de Zurbaran qui soit présenté dans une église, puisqu'il n'en existe en France que 4 au total. Cette restauration du tableau de Zurbaran va donc être menée par la ville de Paris sous le contrôle des monuments historiques grâce à un mécénat réuni par la Fondation Avenir du Patrimoine, fondation qui, depuis de longues années, apporte son soutien financier pour la restauration de nombreux chefs-d'œuvre et avec qui la ville de Paris donc entretient des relations particulièrement fructueuses. Cette restauration donc va se dérouler en 3 étapes. Dans un premier temps, nous allons donc commander à des restaurateurs une étude préalable de façon à ce que l'on ait une connaissance précise de l'état de ces tableaux, de ces altérations, et puis de manière à ce que nous puissions aborder et élaborer des propositions de traitement pour ce tableau. Cette restauration, cette étape donc dite étude préalable, sera suivie ensuite par une seconde étape. Ce sera la restauration proprement dite du tableau, étape qui sera naturellement beaucoup plus longue puisqu'elle nécessite des opérations très minutieuses. Et puis, une fois le tableau restauré, donc on est sur une durée au moins de 3 ou 4 mois, eh bien nous aurons la troisième phase qui est celle de la repose du tableau dans la chapelle Saint-Louis. Et cette repose donnera lieu, en concertation avec la Fondation Avenir du Patrimoine, avec la paroisse et avec les monuments historiques, à une remise au propre notamment du mur sur lequel se trouve accroché à l'origine ce tableau et à une amélioration de la présentation générale, notamment de l'éclairage et de la signalétique. Cette restauration est pour la ville de Paris donc une restauration très importante parce que ce tableau de Zurbaran a été produit à un moment charnière de sa carrière, à une période où Zurbaran, suite à son voyage à Madrid, à sa découverte de la peinture vénitienne qui était présentée dans les collections royales de Philippe IV, eh bien Zurbaran éclaircit, suite à ce contact, à cette rencontre, sa palette, introduit des tons plus chauds dans sa peinture et aborde notamment le thème du paysage, ce qu'il avait très peu fait jusqu'à présent, puisqu'il était encore très marqué par le caravagisme. Alors, je m'appelle Pauline Lascourège, je suis restauratrice du patrimoine et je suis mandataire d'une équipe à qui on a demandé de procéder à l'étude et à la restauration de cette œuvre de Zurbaran. Donc la première étape est l'étude de l'œuvre, ce qu'on appelle le constat d'état, pour voir quelles sont les altérations du tableau, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il a vécu, pour voir quelles sont les opérations à prévoir pour la restauration. Donc ce tableau est dans l'ensemble assez bien conservé, en bon état de conservation. Le support est constitué de 2 lets de toile et à l'origine le format avait la partie supérieure en plein cintre. Et puis il a été agrandi avec 2 agrandissements dans la partie supérieure et il a été rentoilé. Le support est dans l'ensemble en assez bon état. On a quelques petites déformations qui sont dues à des chocs ou aux agrandissements qui se sont un petit peu altérés, mais rien de bien grave et surtout un encrassement qui est la conséquence normale d'une conservation dans une église avec tous les aléas d'un intérieur d'église. Pour ce qui est de la couche picturale, l'œuvre est également en bon état de conservation et c'est surtout son état de présentation qui laisse un peu à désirer, puisque les anciennes restaurations qui ont été faites sur cette œuvre se sont altérées, et notamment avec une forte couche d'encrassement sur plusieurs vernis de restauration superposés et des repeints. C'est l'altération qui se voit principalement quand on jette un premier regard sur cette œuvre. On voit plein de petits repeints d'anciennes restaurations qui sont ce qu'on appelle désaccordés, c'est-à-dire qui n'ont plus la couleur qui convient pour aller avec l'original. Donc nous allons devoir procéder à un nettoyage
de cette œuvre pour nettoyer tous ces vernis, tous ces repeints, et pouvoir retrouver vraiment la matière originale de Zurbaran, qui est d'une grande qualité déjà dans ce qu'on peut voir dans ce premier examen. Dans le cadre de l'étude préalable de cette œuvre, nous avons réalisé des essais de nettoyage pour savoir quels produits pouvaient être utilisés sur les différents vernis et sur les repeints, et pour savoir surtout l'état de la matière originale de Zurbaran, qui est relativement masquée par toutes ces restaurations anciennes. Donc les deux essais de nettoyage ont été faits dans des zones distinctes pour avoir des réponses différentes sur justement l'état de la matière originale, surtout dans les brins, qui sont souvent plus abîmés. Et nous avons trouvé effectivement une matière relativement bien conservée, mais lacunaire, ce qui nous permet aussi d'envisager le travail de retouche qui sera fait dans un deuxième temps. Et puis nous avons réalisé un essai dans le ciel qui est très repeint et dans lequel on a pu voir que la matière était relativement bien conservée et que les repeints permettaient, le nettoyage des repeints permettait de vraiment retrouver une tonalité beaucoup plus froide, beaucoup plus lumineuse pour cette partie de la composition. Donc la restauration commencera dans 2 mois. Et elle s'étalera sur environ 4 mois d'intervention, à la fois sur le support et sur la couche picturale.